quand on touche aux ailes des papillons, ils meurent. C'est pas vrai. Ça, c'est ce qu'on dit aux enfants. Aujourd'hui, la forêt a presque envahi tout ce qui restait de la maison. La mousse verte, les herbes hautes, le bourdonnement des insectes minuscules. Ça se demandait s'il reste quelque chose de votre histoire, de la mienne. Méchant beau pays de Canada. Hein? Reviens, Jay, c'est pas le moment de creuser. Ma blonde va coucher, je vais être papa. Papa. Moi. Les rocheuses, c'est beau, hein? Écoute, mon chum est dans une situation très particulière, une bad luck. Sa blonde est très enceinte, puis il reste plus un billet. C'est difficile, la vie, des fois. Jay, arrête. Elle comprend pas le français, elle nous regarde avec des yeux de moucheron, on est dans une mer d'anglos. Tu veux pas, je te laisse tranquille. Non, c'est bon. Ça ne me dérange pas. Elle voudra pas. J'ai un billet pour Montréal. Mon train est dans une heure. Le prochain dans 5 jours. J'ai pas d'emploi du temps. T'es ici pour voir les paysages. Rencontrer des gens. Profiter. Je pourrais vous vendre mon billet. Ça serait fin. J'en achèterai un autre. Dans 5 jours. Je pourrais faire ça. Tu peux. Mais t'es un inconnu.
Faudrait se faire confiance. Ma mère nous disait de se méfier des étrangers. Oh, mais c'est toi l'étrangère. C'est peut-être toi qui devrais te méfier. Oh, moi, je vais rester sur mes gardes, là, promis. Et qu'on s'entend. Qu'est-ce que j'y gagne, moi? Un humble guide? Je te dérange. Ouais! Tu vois que j'étais bien, moi, aller tranquillement, au calme, seul, la paix. Tu finis de me coucher les soirs, je suis en train d'aller ton problème, là. C'est pas moi qui l'ai baisé, là. Dis pas baiser. On fait l'amour. Bon. J'ai pas l'argent. Tu pourrais pas m'avancer, toi? T'as pas des économies, quelque chose? Tu sais qu'on n'a pas fait une scène. Vous cueillez des cerises, c'est ça? Ouais, faut monter dans les arbres, dormir dehors. Moi, j'ai un sommeil fragile. Tu tombes tout le temps des arbres. T'as le vertige. Pas le vertige, moi. Ouais, vous êtes des vrais ploucs, en fait. Je me suis fait mal au dos. Ça a l'air de rien, mais c'est dur, physiquement, les petits fruits rouges. On a toffé 2 semaines. T'as plus rien. Ouais, j'ai tout mis ce qui me restait d'un boisson, je comptais sur toi. Écoute, il va te l'ordonner à Montréal. Ton argent. Ouais, mais... Les tarifs, je te le redonne. I give it back to you. Hein? Non, je parle pas anglais. Je te le promets. C'est bon? Puis, avec des intérêts. Puis, je t'invite à souper. Sur mon dos. Ma blonde a pleuré au téléphone, tu comprends? J'ai pas assez d'argent pour payer nos 2 billets. Ça le fera pas. Désolé. Écoute! C'est quoi ton nom? Sarah. Sarah. On peut le faire en pouce, toi puis moi. Tu penses quand même pas que ton petit guide de voyage peut faire ce que moi, un presque local, peut faire? C'est la meilleure façon de voir les plaines. Véro, c'est ma meilleure chum, je veux pas qu'elle soit seule. 2 gars en pouce, personne va embarquer ça. Un gars et une fille, ça pogne. Ensemble, on est à Montréal dans 2 jours. Deux jours? 2 jours promis. C'est bon? Yes! Sur Terre il y a des millions d'années. Leur origine se situe entre 150 à 200 millions d'années, probablement. Mais les fossiles de papillons sont rares. Leur corps fragile se conserve mal, ça complique la datation. On les reconnaît par leurs 2 paires d'ailes recouvertes d'écailles. Elles ont la couleur de l'écorce, du rocher ou du lichen. Le camouflage est leur moyen de défense le plus répandu. Chez certaines espèces, la femelle disperse ses œufs en vol. D'autres ont une vie tellement courte qu'elles ont juste le temps de se reproduire avant de disparaître. Hé! Hey, t'avais dit 2 jours. Je me suis trompé. Je peux plus avancer. Ah ouais, si tu veux rentrer. On est au milieu de rien. Y a pas une voiture depuis 3 heures, là. J'ai faim, j'ai soif, je suis fatiguée. Tu veux voir le Canada? Ben c'est ça. Les grandes étendues plates, pas d'horizon, pas de bacon. Je veux rentrer chez moi. Je veux appeler ma sœur. Je veux qu'elle vienne me chercher. J'en peux plus. Il y a un rond-point dans 30 km, tu vas pouvoir faire ton appel. Qu'est-ce que tu fais, là? Hey! J'abandonne! Lève-toi! Il y a un char qui s'en vient, il faut pas le manquer. Je vais rester ici jusqu'à ce qu'on vienne me chercher. Ah! Le ciel est beau! Ah! Un cumulonimbus! Je vais faire une petite sieste ici. Dis-moi si une voiture s'arrête. Je veux juste une douche. Non, un bain avec de la mousse. Beaucoup de mousse, comme les nuages. Je veux que ma peau soit toute fripée. Fumer une clope dans l'humidité. Je veux fermer les yeux dans la chaleur. Je veux m'endormir dans les vapeurs de ma baignoire. Je veux que mon livre tombe sans que je m'en rende compte et que les lettres flottent sur l'eau. Je veux dormir très longtemps dans le silence et rêver.
Jay! Qu'est-ce que tu fais? Tu peux pas te coucher sur l'autoroute! T'as un moment donné dans la vie, Sarah. Faut que quelqu'un s'arrête. Hey, lève-toi! Arrête de m'emmerder là! Ramène ton beau petit cul! C'est beau, Sarah! C'est beau! Hey! La voiture arrive, c'est bon! Ça a marché, bravo! Jay! Mange-toi! Le conducteur! Il t'a pas vu, il roule trop vite! Lève-toi! Par hasard par un dash de char. Tu parles? Bam! On sent encore chaud coule sur la route où toi, tu dois traîner seul ta valise à roulettes. Au ciel, un rapace sent déjà l'odeur de ma carcasse gisante. T'aurais peur? Ou c'est mon charme foudroyant qui t'a tremblé? De quoi tu parles? Charme foudroyant? J'ai sauvé ta vie, gros con. Rester en vie, c'est important. Moi, je connais pas la route, hein. Sauver ma vie. Merci. Non? Donne ta valise. C'est pour que tu fasses ton appel. Ma soeur répond jamais. Ah. Non, on ne s'aime pas vraiment. C'est juste que... c'est ma soeur. C'est quoi? Bon, ta tante. Tu vas pouvoir siester si tu veux. Je vais être dehors devant l'entrée. Je te réveille tout doucement dans une heure, si tu veux. Tu m'as pas encore embrassé. Hein? Ça fait 3 jours que j'attends que ça. Je pensais que t'étais le genre de fille qui allait chercher ce qu'il voulait. T'es un peu respectueux, moi. T'attendais ma demande en mariage, c'est ça? J'ai envie d'être tout né avec toi, tu viens d'entendre. Je tombe pas amoureux, beau gosse. Promis. Ma température varie jamais. J'ai 4 chambres à l'intérieur de mon cœur et une griffe au seul os de mes ailes. Je me repose la tête en bas, presque comme un monstre, surtout pas comme un papillon. Je me nourris d'insectes, chiroptéra, je veux dire main en forme d'aile. Le meilleur remède pour ta gueule de bois. Hey, tu sais que c'est quelque chose de mal. La vie, c'est pas toujours facile. C'est même difficile régulièrement. Mais c'est beau aussi des fois. Mais c'est vraiment dur. Ouais, vraiment dur. Puis, ben des fois, oups! Parfois, la vie nous échappe et... Pas maintenant, si tu penses, je pense. Merci, mon chum. Pas trop, mais... Hey, non, c'est quand même mon mariage, de go! Vas-y, go! Des fois, le pire, ça nous rend plus solides par après. Nous, on a perdu un enfant. Notre rêve d'une famille. Mais on est là, on se joue tous ici présents. À travers toute la marde, des humains se choisissent pour se tenir la main. S'unir. Comme une ribambelle gaie, fière, puis ça, c'est plein d'espérance pour la suite du monde. Je vais prendre des photos. Ah oui. Sarah Lagarde, promets-tu de rester à ses côtés, quel que soit le destin que l'avenir vous réserve? Acceptes-tu de prendre pour époux mon meilleur ami de tous les temps, Jérémy Labrat,
pour le meilleur et pour le pire, puis jusqu'à ce que la mort vous sépare. Oui. Je le veux. Ok, bon. Jérémy Lapratte, promets-tu de rester à ses côtés, quel que soit le destin que l'avenir vous réserve? Acceptes-tu de prendre pour épouse la délicate et impétueuse Sarah Lagarde pour le meilleur et pour le pire, puis jusqu'à ce que la mort vous sépare? Jusqu'à ce que la mort nous sépare? Ah ben là, ta minute, là, j'avais pas pensé. Peut-être. ok, là, si vous voulez, oui! Non! Ok, là-bas, ouais. Hey, Jack! Ben, on en a déjà parlé. Tu sais, le mariage, ce qu'il faut dire, j'ai... Là, on s'engage officiellement, on rit plus. Tu voulais? T'étais prête, non? C'est quoi, c'est... Tu changes d'idée, c'est ça? Tu m'aimes pas, en fait. Putain. Je suis une conne. Une conne! Et tu sais que c'est pas le moment de merder avec mes papiers? J'ai pas fait ma demande de visa parce que tu disais que se marier c'était facile. Alors là c'est trop tard, tu piges? Je veux pas partir, moi! Je voulais rester avec toi, moi je suis prête, moi! Tu veux que je parte? C'est ça. Non! Hein non, voyons! Lâchez-moi, là, j'ai dit oui, tabarnak. Merci. Non, t'as pas dit oui, t'as fait ok. C'est vrai. Ouais, Jay, on était là. T'as dit ok. Ben, c'est ça, j'ai dit non, oui. Non, j'ai dit oui. Bon, là, on le fait-tu ou on le fait pas? Qu'est-ce que tu veux? Ben, je sais pas. Non, je sais plus. Peut-être. Tu sais pas. Non, non, ben non, on se marie pas. Salut, là, bande de connards. Ça s'en va-tu vraiment? J't'aime! C'est pas bon, ça! Je t'aime! Claire? Rien sans toi, moi. J'imaginais pas ça comme ça! Retourne-toi! Mais hey, oh! Attends, les frères, on est là! Rappelle-toi! Je sais pas, tu m'as rien! Aime-moi, ça va! Marie-moi! Marie-les, qu'on en finisse! Oh, ouais. C'est insupportable! Ok, ça, là, c'est vraiment du grand amour! Et Mouzouine, des vagues d'humeur! Ça change de couleur avec les émotions! Impressionné, hein? Vous pouvez maintenant embrasser la mariée! Mais c'est tout! C'est quoi, c'est tout? Mais c'est fait, c'est ça! Ah oui? Non! Non! Mais non! Mais ça marche pas, c'est nul! Ok, on recommence! On va reprendre depuis le début. Et pour vous aussi! Ok! Chaque fois que je te regarde, chaque matin je me pince quand je te vois dans mes yeux droits. Puis tu peins, dis ce que tu me trouves. T'es douce, t'es l'indulgence, puis la compassion. Je te mérite pas. T'es mes poumons, ma taupe, mon eau douce. T'es belle comme un char volé, t'es l'humanité en mini-jupe et pas résille. Je veux que tu me sauves de ma vie, Sarah. J'ai mal partout, tu me touches pas. Quand tu me regardes, je crois que j'ai le droit de vivre. Jeanne, je m'excuse, fais-toi mal. Merci. Vive la vie! Oh, t'as été super bon, Minou! Ah ouais? Puis toi, tu m'aimes-tu? Tu fais semblant? Et parmi tous ces bouts de temps qui allaitent, me voici de nouveau campé dans ta légende. Les chevaux de bois de tes rires seront toujours au fond de mon cœur. Je marche à toi. Je titube à toi, je meurs de toi. Gaston Miron! Je vais toujours être là pour toi. T'es l'amour de ma vie.
Voulez-vous, madame, que ça soit plus officiel? Vous êtes le bleu du ciel, le chant des rivières, puis le pétillant du Pepsi-Cola. Ça, c'est moi. Oh, c'est le French, je vais essayer la photo maintenant. J'ai tout rouge à lèvres sur les dents. Puis moi? Ravis-toi! On se place, on se place, on se place. Je suis dans le cadre? Oui. J'ai jamais l'impression d'être dans la photo. Après, on va tout aller sur la On va tout aller sur une personnalité. Mais elle s'enferme sa bouche puis sourit. Plus pas le focus. Pour faire pas la roille. À trois, on dit visa. Un, deux, trois. Visa! Fait que c'est ça, maman de l'amour. Deux étrangers qui se voient. Si vous pouviez rester comme ça, heureux dans le calme. En me regardant grandir, c'est qui que tu voyais? Ressemble, c'est fou. Tes yeux de biche apeurés, ta posture rigide. Tu portes ton squelette à l'extérieur de ton corps. Tu protèges tes ailes avec des élytres, tes ailes antérieures durcies et cornées. Tu fais briller ton cul pour attirer les autres. Dans ton abdomen, tu produis de la lumière. C'est chimique. T'attires. Attiré. Même tes larves émettent la lumière. Tu vis dans presque tous les climats. Tu as colonisé tous les biotopes continentaux, terrestres et d'eau douce, excepté l'Antarctique. Tu es un petit prédateur de la strate herbacée et buissonnante. Tu es un coléoptère. Une luciole. Jusqu'au bout du monde. On va y aller ensemble demain matin. Il faut être prudent tout le long des marais, il y a des crocodiles. C'est ça. C'est parce qu'ils vont te manger. Ah, regarde la route! Tu peux essayer de pas tous nous tuer? Mais on n'a pas y mourir, là. The chicken. Tu te montres une collection d'accidents ou quoi? T'as eu un accident? On est arrivé. Ouf, ok. T'as eu un accident? Regarde, ça se fait. C'est ici? Ouais, pis c'est parce que ma mère vit avec son chum. Mon grand-père a tout bâti avec ses deux mains. C'est beau, c'est un grand terrain. C'est la première fois que tu viens. Ouais. Ils sont pas là avant lundi, on a toute la place. Merci, Louise. Ça fait le feu. Vive la vie! Ouais, le Michoui, j'adore ça. Ça dit bon temps, famille, chaleur. Les méchouis, ça réunit le monde, puis le monde dans la bouche pleine, fait qu'on dit pas de niaiserie. Les méchouis, ça sent la Saint-Jean quand j'avais 15 ans. Tout le monde aime les méchouis. Celui-là, c'est moi qui suis responsable. Je m'inscris dans la lignée de mon père, là, mon grand-père, là, son frère avant, puis son père avant. Je suis allé chercher l'agneau chez le voisin avec la poubelle neuve au magasin pour faire le méchoui parfait, c'est-à-dire dans une poubelle. Je pars le feu de l'agneau avec des briquettes, je laisse personne m'aider, j'embroche l'agneau, je laisse la sauce barbecue. Je fais cuire pendant 3 heures jusqu'à ce qu'il soit médium saignant pendant que moi, je danse pis je chante comme si la mort me chante. On s'est rencontrés il y a 15 ans dans un bûcheron sur le dernier banc, celui des pauvres. Personne veut s'asseoir avec nous. On crie des insanités aux passants, on rit comme des vrais enfants à gorge déployée, même avec nos dents croches. On se lâche plus. Il pas gros à ce moment-là, les filles tripotent sur lui, même si Jay c'est le meilleur. Il prend les profs, il a les meilleures notes, même si celui qui a la maison, c'est une encyclopédie sur les insectes. Mais ils s'arrangent pour rester en punition. Lors d'être chez eux, besoin d'un ami. Quand son père remet la porte, il dort chez nous. Il passe sa petite tête par la fenêtre du sous-sol jusqu'à ce que ma mère le pointe, puis l'oblige à passer par l'entrée et à souper avec nous pendant 6 heures. À 11 ans, il veut être plus fort que son père. À cette heure, il est immense, musclé, concentré sur les flammes, en sueur, marié. J'aimerais le toucher. Ce soir, on fête le mariage de mes meilleurs chums. À soir, c'est si correct de ne pas être correct d'avoir perdu un enfant. Ça fait mal. C'est correct de lâcher l'école. Peut-être que j'ai retombé. C'est correct de ne pas savoir exactement ce que je fais avec Karine. Correct de regarder les années vivre leur passion.
façon, si tout est correct, tout finit par passer. Je dis impermanence, Chris! Ça ne me dérange pas. Rien ne dérange. On dit que faire un vrai cadeau, tu as fait quelque chose à confier. Mais voilà, j'ai apporté cette de vaisselle de grand-maman. Je vais t'aimer. Tous les matins, trouver la force. Me lever, faire couler l'eau, trouver la bonne température. Entrer dans la baignoire, sortir, m'habiller. Prendre soin, ouais. Je vais t'apprendre à marcher, à écrire, à chanter, en voiture, à aimer, putain. Ça va être beau. Toi, mon petit humain, tu vas pas t'excuser d'exister. Tu vas me donner le goût de vivre, de tout voir pour la première fois, d'être ébloui par n'importe quoi, de vivre à travers tes pupilles. Je vais savoir pourquoi je suis sur Terre, de l'autre côté de l'océan. Je vais avoir une place, la mienne. Je vais plus m'excuser à mon ombre. Le monde t'appartient. Tu seras pas chiffré comme moi, non. Tu vas être libre. Tu vas semer la joie, ouais. La joie, merde. Tu vas nous réparer. Ça te donne la joie. La joie. Demain, promis, j'aurai. Des fois, je rêve à une grande table. Comme
fini, là. Il a une enfance difficile avec son père. Moi aussi, de mon côté, c'était dur. Complète, j'imagine. Attention, attends, t'es responsable de la vie de quelqu'un d'autre. J'ai une petite larme. Il parle tout le temps de politique. En ce moment, j'appelle les petites conversations. Il joue à se pincer les têtes. Ah, si je parlais pas la même langue à une autre fréquence radio. Moi, je t'écoute. J'ai le mécanisme qu'on transporte. Puis là, vous êtes mariés pour les papiers. Juste pour ça. Hey, si on m'avait dit ça au cégep que Jay serait le premier de la gang à se marier, j'aurais jamais cru. Camille, c'est le premier à m'avoir dit qu'il m'aimait. L'été. Qu'est-ce qu'ils font? Regarde! C'est le dernier méchoui de l'année! Les méchouis, dans le temps, c'est une offrande ou un sacrifice. Un sacrifice, étymologiquement, c'est quand une communauté fait un rite et offre une victime à une divinité pour avoir ses faveurs. La victime est mise à mort pour vrai ou symboliquement, puis on met des objets sur un autel. Ce soir, on sacrifie un titanio pour que l'amour avec un grand O nous quitte jamais. Je vais faire une analogie. Regardez tout le monde! C'est ce que je veux! Est-ce que vous êtes sûr? J'ai plus de job! C'est ça qu'on appelle plutôt? Ah, relax, là, tout est correct. Camille va me plugger avec la couche de chômage. Hein, Camille? Yes! C'est mes souliers de job. Anyway, il pue le cul, j'en remets plus jamais les pieds là. T'as plus de boulot. Alors relax là, danse avec moi. Tourne sur toi. Merde. Non, c'est pas grave, on va ramasser un peu. Oh, pour les dieux de la terre. Non, j'ai trop peur. C'est pas grave. T'es nul là. Oh, excuse, je voulais pas, là, je suis vraiment. C'est juste un accident, ma chouchou. J'ai ramassé. Non, on s'en crisse. J'ai dit. Hein? On s'amuse, là. On va ramasser tantôt. Hein? OK. T'allais poser, moi? Te poser? Faire une sieste? C'est mon mariage. On est sortis hier. T'es bien poche. C'est juste une sieste, reviens-en. Ah. Ça va? Fais soir de l'eau avec moi, ça va te faire bien, là. Un grand verre pour toi. Mais les desserts... C'est vrai, je vais aller les chercher. Ça va? Danse avec moi. Tu veux pas juste un petit verre d'eau froide? Non, j'ai pas le temps. Faut que je parle à Jay. Je suis pas sûre que c'est bon, maman. Non! Hey, lâche-la, tu vas bien, t'en veux pas. On est bien, là. Hein? Bon, OK, j'y vais. Le thé. Je m'en occupe. Je vais aller chercher les desserts qu'on a faits avec Sarah. S'il te plaît, je vais rentrer avec toi. Tu peux pas siester, reste le mousseau. Je veux pas, c'est Véro, ça. C'est notre nuit de noces. Je veux qu'on fasse l'amour langoureusement. J'ai acheté de la dentelle. Camille, laisse. Yes. Pablo, on avait allé se coucher. Là. On dormira quand on sera mort. OK, Véro, viens maintenant. D'accord. La tarte est dans le four. Véro, je veux qu'on danse tous ensemble pour mon mariage. Oui, yes! Véro, mon amour. Ah, non. Oh, mais ça, dans ton coin, allez. Oh, juste moi. Véro. J'ai jamais fait de slow à quatre. C'est doux. Hey, la gang. Faut que je vous dise. Je vous aime. Ah ouais, moi aussi, Jay. Moi aussi, je t'aime. On se le dit pas souvent, mais je t'aime. Pas comme toi. Toi, c'est une autre sorte d'amour. Puis moi, là, voir de l'amour de même aujourd'hui, ça m'inspire. Flattez-moi les cheveux. Sarah, papa! Ben, c'est ça, va-t'en, esti. Va boire ton eau, conne. Elle va juste vomir. Je vais l'encourager. As-tu besoin d'aide? Non, c'est bon. La lumière, en ce moment, on appelle ça un chien et loup. Surveille ton chum, mais qui se transforme pas en torche vivante. Ah, mes belles cuisses dodues! Hey, brûle-toi pas! Y'en reviennent pas les filles, là! Laisse les filles faire leur affaire, vu les circonstances! Les filles! Vous êtes où? Les filles! Je vais ouvrir le mousseux! Mais non, y'a rien, on oublie tout ça!
survécu. C'était juste un petit vaveau de rien. Y a-t-il des dents sucrées, cette? Ah oui! Je t'ai manqué! Ah, c'est sexy, ça! Des filles, des desserts... Des potes, un tout sucre... Oh, t'as vu mon dessert préféré! Chez mon boss, on va lui dire que c'est un esti pourri pis on va lui donner son char à la marde. Comme ça, tu vas être contente. C'est pas du tout ce que j'ai dit. J'ai pas été renvoyé, ok? J'ai démissionné dans ta face, boss. Monsieur, veuillez accepter ma démission, rien de même, pas de raison. Mais il collait ça dans sa face de champion international de dentifrice. T'es mon escroté, sans préavis, j'ai vu plus tes virements de moineau, tes petites miettes de séraphin, ton... J'y veux plus! Pis l'important... Ah! On s'en crisse! L'important, c'est que je t'ai eu! Pis ta réponse, je la roule dans mon cul avec mes meilleures salutations. J'ai démissionné. Toute une gang de suiveurs, mais moi je suis parti. Digne. Je le savais, t'avais pas le droit de prendre l'auto. Tu m'as menti. Il t'avait dit que si tu la reprenais. Mon polaï, on dirait que ça ne regarde plus, hein? Bon, rentre, là, le party est fini. T'es pas parti. Ah, pas... Je sais pas changer ce qui s'est passé, tu t'es fait mettre à la porte et t'as pas démissionné. J'ai le goût de rentrer, là. Je t'en ai. Dis-le que t'étais sous, que t'as conduit, que t'as roulé dans un étang, que tu t'es blessé, qu'ils t'ont interdit de conduire, mais que t'as repris leur voiture. C'est ta faute si on est dans la merde. Comment tu penses qu'on a fait le voyage jusqu'ici? À la nage? Ça t'arrange. Au moins mes clés à cette heure. Tu peux pas conduire. Pas dans ton état. Mon état? Tu niaises? Y'a personne qui va conduire ici t'asseoir. S'il faut vraiment aller se baigner tout nu, on va prendre un taxi, hein? Puis on va ramasser là. Mais je suis capable de conduire! Hey, Jérémy! Je les ai laissés sur le contact. Ah, t'es cave! Va te tuer si tu tiens le temps. Oups, c'est plus drôle. T'en veux toi-même? Hé, hey, wow, wow, wow! Ah! Mais c'est bon! Oh non! Oh non, fais les pas! Ah! Oh, c'est ah! Effort! Je sais que je suis d'arrêt! Arrêtez, là, vous êtes malade! Ah! Pas le sanglier, j'ai reçu des bottes, Sarah! Bon, on a arrêté! Pas m'aider! Arrête! Non! On va aller la pluie! C'est toi. Donne-moi les colis.
Calme-toi! Calme-toi! Contrôle-toi! Arrête! Arrête! Deux silences, tu penses? Demain, ils vont retrouver ses clés dans le congélateur entre la crème glacée et les petits pois. C'est une bonne cachette. Mais t'apprends que ça coûte cher de protéger. Toi, j'ai rien à te dire. Tu mérites rien de moi. Ce que j'avais à dire, c'est enterré. Ton cœur est gros comme le bout de mon doigt. J'ai plus peur de toi. C'est moi qui te connais maintenant. Tu me dois ta liberté. T'entends rien? J'en profite, je me venge. C'est toi qui m'as donné le goût. Je reste muette, patiente, passive. Je grandis, j'attends que tu ratatines. Je minote, je fais la conne pour que tu vois rien. Attends que tu aies capable de pisser seule, de demander de l'aide. Tu ne mérites pas mon indulgence. Le sais-tu que pour toi, personne ne va pleurer? J'attends sagement, bon élève, pour pisser sur ta tombe. Mon héritage, c'est ta colère. Je ne suis pas comme toi. Je ne suis pas comme toi. Je ne suis pas toi. Je ne veux pas être un monstre, moi. Tu ne mérites pas ma violence. Je veux être douce. S'il vous plaît. S'il vous plaît, pour tous ces coups. Ça prend plusieurs générations de guérir. Partir. Tu m'entends même pas? Pas la même fréquence. Je suis une chauve-souris. Je vis quand tu dors. Tu sais même pas que j'existe.
nom des connaissances, personne ne répond. Toi, tu dors. Maman est dans la merde, mon bébé. L'abonné que vous essayez de joindre. Tu penses, mon Dieu, qu'on s'est aimé. Mon Dieu, que je l'aimais. Je peux pas l'appeler, je peux pas faire ça. Mais je peux pas coucher dehors avec la petite. Puis toutes mes affaires dehors, de quoi j'ai l'air. Personne ne répond. Les autobus qui passent derrière. Tu penses, la vie continue toujours sans toi. Ça va, c'était bien. Je suis vraiment dans la merde. Est-ce que... T'es sûr? Il n'y a pas de justification, d'explication, de détail. Et la bienvenue. Tu penses... Ici, c'est quoi une mère monoparentale, seule, une mère dans la merde. Lui aussi, sa mère était seule, puis c'était son fils. Le petit trou en plastique de la poussette dans les craques du trottoir. Maman roule. Tu me regardes, tu penses, il faut combien de personnes pour qu'on soit une famille? Juste toi puis moi, est-ce que c'est suffisant? T'es belle! Je me serre jusqu'au coude. Arrête. Hey, c'est pas parce que je fais pitié qu'il faut me faire des compliments. Mm. J'arrête. Excuse-moi, c'est juste... Non, si c'est ok, je savais pas. C'est une belle surprise! Hein? J'étais content d'entendre ta voix au téléphone. Excuse-moi, j'arrête pas de te regarder. Non, moi aussi, je... C'est le fun, ça. Oh, tu t'attaches les cheveux maintenant? Ouais, j'essaye ça, je... Ça te va bien? Ouais. Merci, t'es gentil. Ben non, c'est... Ouais, ça te va bien. Bon. Ok, tu... T'habites ici, maintenant? Oui, ma mère est en vacances en Floride. Oh, wow! Je garde la maison, je fais des petites réparations par-ci, par-là. J'ai décapé les mouleurs, là. C'est coquet. Tu mens, c'est pour survivre. Quand tu ris, c'est vrai, c'est devenu beau. T'as toujours menti. Toute ta vie t'a fait comme si. Ça n'a pas marché comme je voulais. Il reste encore de la peinture. Je suis pas vraiment équipé. Non, en tout cas, ça a beaucoup de potentiel. C'est prometteur. T'as du goût? C'est pour qu'on t'aime. Parce que t'en as toujours eu honte d'exister, d'aussi loin que tu te rappelles. C'est plus funky. Ouais, c'est ça. C'est plus funky, ouais. T'es un papillon de nuit attiré par une ampoule. Tu crois que c'est le soleil. Tu peux pas t'en empêcher. T'as encore ta bague? Ouais. Elle est bleue. C'est pas la couleur du bonheur, ça? Bon! Fait que... Tu peux laisser tes sacs là, pis tes souliers aussi. Camille? Véro? Salut, ma chum! Reviens à la maison, ma chérie. Qu'est-ce que vous faites ici? Il reste dans la roulotte pour l'été. Bière? Pepsi? On est séparatistes jusque dans la liqueur. Peut-être juste un verre. Je vais faire chauffer du lait avec du miel. Ça va te détendre. J'ai fait de la soupe avec les carottes du potager. Elle est super bonne. Oui, je vais la faire chauffer. Elle est excellente. C'est une bonne idée. Je m'en occupe. Tiens, prends ma place. Prends ma place. Tiens, prends mes pantoufles. Mets-les. Merci. Ils sont déjà réchauffés. Merci. Ça me fait plaisir. Okay. C'est Louise qui les a faites. Moi aussi, j'ai commencé à tricoter. Je pourrais t'en faire. Mais avez-vous pas trop, Sarah? Juste venu me porter mes clés de char. Ben non. Ouais, c'est pas du tout pour ça. Ouais, c'est une joke. Hey! La soupe. C'est les carottes qui poussent à côté. C'est bon pour toi. Merci. J'ai planté de la menthe aussi pour le thé. Non, merci. En tout cas, tu nous as manqué. J'étais pas loin. J'étais de mon côté. J'allais t'appeler.
Prendre des nouvelles. C'est vrai, on s'en est parlé qu'on allait t'appeler avec Véro. Ouais, on s'en est parlé. Qu'on allait t'appeler. On savait pas quoi faire, fait qu'on a rien fait. C'est drôle, hein? C'est drôle. Fac? Ouais? Comment tu vas? Ben, c'est le kiff. Moi, je suis super en forme, tu sais. Voilà, j'ai mon nouveau sac pour bébé. C'est extraordinaire. J'aime tellement ça être maman. On se promène tous les jours, on prend l'air, on se lasse jamais. J'ai tout ce qu'il faut. Hey, ben, tant mieux, hein, si... on est vraiment content pour toi. Ouais, on est content pour toi. Tu te bats de luck avec mon appartement, mais ça arrive. Mais, il est où, Dehors, dans les poubelles. Non, voyons, adore dans l'entrée, dans la poussette. Vénard. Hey, vous auriez dû voir vos faces. T'es un petit comique, toi. Bon, j'allais faire ton lit. Tu checkes le feu. On était dû, hein, depuis... On savait pas si... Mais tu sais, toi, PJ... Tu nous en veux. C'est sûr que tu nous en veux. Moi, je vous en veux? Non. J'ai cherché ton numéro. Il a changé. Non, c'est le même. Je veux que tu saches qu'on va toujours être là pour toi. N'importe quand. C'est gentil. Promis, on est une famille. C'est vraiment, vraiment gentil. C'est la moindre des choses. Sans les autres, on est personne. Tu peux m'appeler quand tu veux. N'importe quand si ça va pas. Tu le sais, hein? On est juste à côté. Puis nous autres, on prend pas de bord. On vous aime tous les deux. On savait juste pas quoi faire. On radote, c'est pas de... Au début, je me suis dit, faut appeler la police. Mais on l'a pas fait. Je me sens mal. On va y arriver. Ça va? Franchement, je suis fatiguée, j'ai pas envie de parler. Ben oui. Si tu veux pas en parler, on n'en parle pas, hein. On respecte. Bon, c'est fini les petits redouailles. Ton lit est fait. Merci. J'ai mis les draps que t'aimes. Je te laisse la chambre. Non, t'es pas obligé. Je dormais au sol, moi. Je me sentirais plus à l'aise. J'ai restauré un berceau qui était dans la grange. Je savais pas quand, si t'allais vouloir me reparler, mais j'ai fait ça. Ok. Ok. C'est un bel objet, là. Vraiment. Je l'ai apporté dans ta chambre. Oui. Hey, là, c'est ça. Je peux-tu aller la voir, mettons? Réveille-la pas. Elle dort pas, elle pleure. C'est normal. Tout le temps. Je m'excuse. C'est ok. Non. Vous l'avez choisi, lui, c'est ok. Toi aussi, tu l'as choisi. Je me suis fait évincer. J'ai plus d'argent. Jay me manque, ça va pas. Peux-tu la prendre? Pour moi? La petite? Mathilde, vous êtes bon, vous. Toi et Camille, c'est naturel pour vous. Moi, je suis pas une bonne maman. La vie, c'est difficile des fois. Tu vois bien ici? Ouais, super bien. Elle est bonne? Hein? La soupe. Oh oui, vraiment. Et puis là, tu la vois. Le petit bout de chou tout en rose qui serre son vieux lapinou cyclope tout déranché. Qui sourit à travers la facette de l'enfance. Puis là, tout autour de toi s'efface, devient flou comme dans les vues. J'apprends. Regardez ce que j'ai trouvé! Elle dormait pas! Il l'a réveillée. Elle est parfaite. Plus elle grandit, plus elle ressemble à Jay. Elle tient rien de moi. A jamais vu aussi haut la petite. Avoir haut du frigo. Avoir haut des moulures, des gardes de porc. Ok, on va se promener dans la maison! La visite de la maison à vol de girafe. Atterrissage dans le grand limou. Le temps du dodo, les paupières ferment toutes seules. Le temps du pyjama. Le temps de choisir un toutou pour dormir. Le temps de la doudou, le temps de la veilleuse. Bonne nuit, ma chouette. Je peux pas encore comprendre, mais je peux déjà sentir que toi, tu me vois. Jay, c'est celui qui me regarde pas. Mon père a peur de moi comme si les petites bêtes mangeaient les grosses. Toi aussi, t'as peur que je te ressemble. Madame, monsieur,
Bonsoir. Lundi prochain, nous aurons tous un choix important à faire. Cette décision est cruciale pour le Québec, pour notre avenir et celui de nos enfants. Les choses doivent changer au Québec. Le temps est venu de cesser de demander la permission et de commander. Parce que j'ai confiance en l'avenir. Il est temps de prendre en main nos responsabilités. C'est le geste d'un peuple qui se respecte, qui a confiance en lui-même et qui se tient debout. Que des Québécois et des Québécoises, unis et fiers. Et actuellement, ce sont 9958 voix en faveur du oui. Donc, c'est 6000 voix d'expérience. Oui, on va l'avoir, notre pays! Hey, c'est les patriotes qui seraient fiers de nous autres! Les patriotes, ils seraient bien surpris de voir des comptes à part la souveraineté. Les poèmes, ça convainc pas tout le monde! Mais les chiffres, par exemple? Les chiffres, c'est émotif. Et à la bourse de seconde, c'est de la peur ou de la confiance. Check la bourse, quand même. Je lis les journaux. On va aller chercher d'autres bières. Ben, pour moi, la souveraineté, c'est spirituel. On le sait. Et comment t'habiller, toi? Tu t'es viré de bord pendant la nuit? C'est l'Halloween. Je suis déguisée en vampire fédéraliste. On va les habiller en bleu, la plus belle couleur du monde. Belle comme toi, ça va les encourager, les fédéralistes. Personne ne peut me voir à part vous autres, les premiers voisins sont passés en main. Ma mère, oui, elle pourra passer. C'est déjà la haute trahison qu'on soit pas chez eux pour le décompte. Faudrait pas qu'en plus, sa belle-fille porte les couleurs du Canada. Elle va s'attacher à un arbre jusqu'à ce qu'on se sépare. Mais quand on va gagner, on va sortir fêter. On va faire la tournée du voisinage. Si. Quoi? Si on gagne. Arrête de pleurer. Arrête! Regarde, le nord commence à monter. On va gagner! On a déjà une bonne avance. J'écris avant de me taire à tous les hommes de la terre. Comment va la petite? Je sais pas. Elle doit faire ses dents. Ma maison, c'est votre maison. Entre mes quatre murs de glace, je mets mon temps et mon espace à préparer le feu, la place. Pour les humains de l'horizon et les humains sont de ma race. Gilles Vigneault! Bon, excusez-moi, je vais aller voir l'héritière de notre pays. On va se réveiller demain matin et on va s'appartenir. Allô, ma pitounette? Tu dors pas pantoute, toi, oui? C'est un beau sourire, c'est pour qui? Pour moi? T'as fait un beau caca? Québécoise de bout! Un monde nouveau nous attend. On n'est plus chez nous autres, mais on est au service de nous-mêmes. C'est fini, l'asservissement des pauvres au profit des riches. Ils se passent leur fortune de la colonisation. Ouais. Gardez-les, vos méchantes compagnies capitalistes dégueulasses. Cette nuit, on brise le Canada. Ah. Non, c'est bon. Oh, ça me tente. Ça vaut rien, les adultes, hein? Viens dans mes bras, mon petit son de l'univers. On s'entend bien, toutes les deux, hein? Tu vas trouver un sens à tout ça, là. Allez. On va se consoler du monde. Ça va être notre secret. Voilà. Tu m'en peux? Eh bien. Je te dis que t'as le bonheur facile. Bonne nuit. Toute la soirée. Pourquoi tu cries encore? Arrête! T'as pas besoin de crier tout le temps pour qu'on t'entende. Tout le monde prend soin de toi, qu'est-ce que tu veux de plus? Maman essaie de s'amuser, hein? Papa va faire un feu d'artifice. Maman aime ça, le feu d'artifice, elle aimerait ça les voir. Mais faudrait que t'arrêtes de chialer. Maman, elle voudra en profiter à la place de se faire crier dans les oreilles. Mais tu vas te taire! Les amis vont penser que maman, c'est une mauvaise maman. Maman, elle fait beaucoup d'efforts pour toi. T'as une maison, un papa. T'es jamais contente. Arrête de crier!
fait pour ses intérêts. Le français pourrait jamais continuer pour souper. Sur tes toasts, dans les nuages, puis dans tes rêves. À 22h20, heure de l'Est, Radio-Canada prévoit, si la tendance du vote se maintient, que l'option du non remportera ce référendum. Je répète, à 22h20, heure de l'Est, Radio-Canada prévoit, si la tendance du vote se maintient, que c'est l'option tabarnak. Tu l'avais dit, je croyais pas. Ce référendum. Donc, avec le saisissement des gens aux métropolis, une majorité de Québécois, pour la deuxième fois en 15 ans, rejette l'idée que le Québec devienne un pays souverain et choisit que le Québec demeure dans le Canada. Une majorité, une mince majorité, pour l'instant 34 434 de majorité. Les troupes du non l'ont échappé, belle. C'est une victoire. Ils nous effaceront pas. Ils nous effaceront pas, tabarnak! Hey, tu vas pas broyer toi avec! Mon fils! Tu peux me changer. Non, reste avec nous autres. J'ai envie de... Tu fais du bien, toi, pour moi. Non? Je suis pas sûre. On a le droit de se faire du bien. C'est pas ça. C'est que... Tu sens que ça a jamais fait de mal, ça? Hein? T'es tellement belle. Tu veux venir avec nous autres? Maman, réveille-toi, il faut qu'on parte. Hein? Réveille, on part. Pourquoi tu pars? Ça fait 1000 fois que tu y penses. On part. C'est ce soir. J'ai commandé le taxi, viens nous chercher, puis après on va prendre le bus. Laisse-moi dormir. Quoi? Je t'ai pas compris. Tu me déranges, laisse-moi tranquille, tu vois bien que je dors. Tu dors pas, tu me parles. Je dors. Tu pues. Moi? Tu pues l'alcool. Non. Ma bouteille? Rends-moi ma bouteille! Ils vont s'en rendre compte. J'ai pas peur, moi. Qu'ils s'en rendent compte? Qu'ils se réveillent, toute la bande debout? Je pars la tête haute, moi! C'est correct d'avoir peur. Rends-la-moi! Je pense pas. Viens ici. Viens ici, ma fille. Je t'aime. T'es la plus belle chose qui me soit arrivée dans ma vie. T'es ravissante. T'es une femme maintenant, tu ressembles à ta grand-mère. Elle serait tellement fière de toi, ma belle grande fille. Ça t'appartient pas. T'as pas le droit de me faire ça. On y va maintenant. Le taxi va nous attendre. T'as compris? Il est où ton sac? Ton sac? Tu l'as pas fait. Tu l'as pas fait, c'est ça, t'avais une chose à faire, puis tu l'as pas fait. Anyway, on rachètera tout à Hawaï. Prends-la-moi. Tu vas voir. Là où je t'amène, va y avoir de l'air salé, du punch aux fruits, puis des cocotiers. T'as jamais vu ça, hein? Moi non plus. On va régler ça, puis ça va être beau. T'auras besoin de penser à rien, on va être juste toi puis moi, on va avoir la paix. Tu vas avoir tout ce que tu veux, ma mère. Au motel, on va dormir dans la même chambre, comme quand j'étais petite. La nuit, on va se réveiller en même temps, on va se demander en chuchotant, ça va? Puis on va tous dire, tout maman. On va aller magasiner. Je vais te couvrir de robes pis de perles. Je vais t'acheter des sacoches trop chères. On va aller au resto déjeuner, chez la coiffeuse, au cinéma. On va acheter une grosse liqueur, un gros pop-corn avec du beurre, des réglisses rouges. Je vais loader toutes mes cartes de crédit. Tu vas voir l'océan. Nager avec les dauphins. Je te jure, maman, c'est là que je t'amène. On va te guérir. T'auras plus mal partout. Je vais te soigner à l'odeur de l'ananas caramélisé et à la crème solaire. Je vais t'aimer tellement fort que toute ta souffrance va disparaître, te sortir par les pores. Je vais te serrer tellement fort dans mes bras que tu vas plus pouvoir respirer. Tu vas me dire j'étouffe, ça moins fort. Mais je te lâcherai pas. Je te lâche pas, maman. Tu vas me dire, moi aussi je t'aime mon petit papillon d'amour, je vais te répondre, impossible que tu m'aimes plus que je t'aime. Puis arrête de m'appeler comme ça. Je sais pas nager. Tu sais pas nager. Je sais. Mais on va se forcer, OK?
puis tu vas apprendre. Puis je vais t'apprendre à conduire en plus. Tu vas apprendre l'anglais puis l'hawaïen. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Tu m'entends? Je veux voir tes cheveux danser au vent sur l'autoroute. On est libre, maman. On est des Amazones. On est inséparables jusqu'au bout du monde. On est dans notre film, puis c'est nous autres qui choisissons la fin. Je t'amène là où ça fait pas mal. Je sais que tu ne sais plus c'est où. On va aller le plus loin possible. Tu vas regarder en arrière, tu vas rien comprendre. Tu vas penser que c'est une autre vie, une vie pendant la guerre. On va plus s'effacer. On va s'appartenir. Tu vas rien regretter. Ça va aller. Je t'aime. Je veux juste pas manquer le taxi. Je t'aime aussi. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime, maman. Non. Moi, je t'aime. Moi aussi. Merci. Il n'y a pas de quoi. Je t'aime. Est-ce que je t'aime? Moi aussi. Merci. Le taxi est là. C'est pas ta faute. OK? Non. C'est pas ta faute. OK, whatever. On y va maintenant, t'es capable. Let's go. Je vais pleurer. Non, je m'excuse, maman, mais c'est pas le temps. Je t'aime. Je t'aime, je t'aime. Oui, je moi t'aime. Aussi. J'y ai beaucoup pensé, tu sais. J'aimerais ça des excuses. Quoi? Avant de partir avec toi, j'aimerais ça des excuses. Qu'on recommence. Je veux seulement qu'ils disent que c'est pas OK. Que c'est mal. Me semble que je demande pas grand-chose. Fais-moi confiance, je sais ce que je fais. Le taxi va partir. T'en appelleras un autre. Ah, qu'est-ce que tu fais? Faut qu'on parle. Je veux des excuses. Des excuses? Je veux pas discuter avec toi, tu m'embrouilles. Je veux que tu dises que ce que tu m'as fait, c'est mal. Nice. Je veux pas avoir à m'expliquer ou à me justifier. À dire pourquoi, comment, à me rappeler les détails de ce que tu m'as fait parce que tu le sais. Tu le sais. Je veux pas avoir à t'émouvoir ou à faire pitié, voilà. Je veux des excuses! J'ai pas de... Je veux des excuses, putain! Hey, c'est quoi le trip? Dormir, ça vous tente pas. Pas d'insieur! Tu t'en vas? Toi, tu me parles pas avec ta langue sale. Tu me parles pas comme ça. Hey, écoute-moi, là, tout le monde dormait en train de se coucher. Hey, on peut pas être comme le monde normal pour une fois? Ouais, c'est ça. Continue de dire ce qu'on devrait faire, espèce de porc. Dis-là que tu veux juste des excuses puis que tu t'en vas. Tu t'en vas. Ouais, je vais leur dire de raison. À qui elle parle? À qui tu parles, Sarah? Y'a personne. Parlez-vous pour une fois. Ouais. J'étais assez conne, je me suis assez fait avoir dans ma vie, là, ça s'arrête. Voulez-vous un café? Du thé, des biscuits, quelque chose pour vous réchauffer? Il fait froid! Ah! Ok. Si on se faisait un petit peu, comme ça, soyez autour pour parler. Entrez dans le club, vous auriez tard, je m'en occupe. Vous aimez ça, vivre ici tous ensemble? C'est un beau terrain, hein? Arrête ça, là. On n'a pas trouvé assez de projets de rénovation pour te canaliser. Arrête, je provoque. Mais c'est à cause de vous que ça continue, bande de lâches! Tais-toi! Criez, la petite va nous entendre. Moi, je compte pas sans elle, c'est ça? Bon, Jay, excuse-toi, puis comme ça, c'est fait. Non, ce ne sera pas nécessaire. Pour que tu changes! Ça prend deux secondes, je m'excuse. Excuse, vas-y, parle. Pour que tu changes. Ouais, c'est nécessaire. Moi, je m'excuse pas. Et moi, j'ai pitié de toi, conne! C'est toi qui devrais t'excuser, Sarah. Tu déranges tout le monde en ce moment. T'es pas une victime! Je veux de l'argent aussi! Ah! Tu aimerais ça que je te donne des croissants au lait de tous les matins?